Hello, hello. Donc nous voilà dans un camping Utopia. On est à Bracieux, à côté de Chambord, entre Chambord et Cheverny. Voilà pourquoi on s'est arrêté dans un camping. Bah pour faire le plein des batteries, comme ça on s'est branché sur le 220 volts. Les filles, elles ont été au sanitaire pour prendre leur douche et tout ça. Et puis il y a une piscine, donc je pense que... On va aller faire un tour à la piscine. Qu'est-ce qui t'arrive, ta faim? Elle n'a pas le droit d'aller à la piscine. À toi, t'as pas le droit. Elle a la varicelle, on le voit là. On va plus aller au jeu. Ma fille qui a la varicelle. Et toi, Jeanne, ça va ou pas? Ouais. Oui. Ouais. Dada. Dada. Et toi, maman, ça va? Ça va, bien dormi. Bien dormi. Bon, bah tout le monde a bien dormi, c'est impeccable. Voilà, on peut voir dehors ce qui se passe. Hein. Voilà. Allez, à plus tard. Et voilà, petite visite de Blois. Elle est passée où? Elle est là. Donc on va aller voir le Châtal, le château. Voilà, petite place sympa avec des arches et tout, ça a l'air cool. Là, c'est le Louis XII. Voilà, voilà, Blois, ça a l'air mignon. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, nous arrivons à l'entrée du château. Il y a un monsieur qui nous accueille. Je suis un des gardes du roi Henri III. D'accord. Je vous invite à venir pour notre escape game. Il faut sauver, non pas le soldat, mais le duc de Guise. Ça a l'air chouette. Donc ça, voilà, c'est bien, on est bien accueillis. C'est magnifique, là, le grand escalier. Puis il y a une espèce de dôme. C'est superbe. Ouais, les vitraux sont magnifiques. C'est des vitraux, ça, pas des vrais. C'est impressionnant. Louis XII, 1498. Allez, on va commencer la visite. François Ier, Henri III. C'est vraiment toute cette époque. Hein. Charles de Blois, c'est beau. Et voilà, la visite commence par là, la salle des états, vous êtes prêts? Ça pète. Waouh. Voilà, les gens ont l'air un peu bêtes, parce qu'apparemment il y a un truc en 3D. Ça va être génial, hein. J'adorerais le faire.
Alors voilà, le premier château. On va pas remonter l'escalier pour aller au salle du roi. Allez, on y va. Le deuxième château. Voilà. C'est quand même une espèce de mur d'enceinte. Donc François Ier, lui, il a fait construire ce grand truc-là. Avec ce fameux bâtiment là où on est rentré. Ce fameux bâtiment. Alors il y a la chapelle déjà. Il y a ici. Et par contre, là, c'est pas par là. Donc Gaston d'Orléans, c'est ça. C'est lui qui a fait construire, moderniser cette partie. Puis ensuite. Donc voilà. Oh, le travail de. Les tailleurs de pierre, c'est quand même grandiose. Tout est dessiné nickel. On peut aller voir le détail. Le détail, c'est grandiose. C'est beau, hein? T'es contente d'être dans le château? Oui. Coucou ma fille. Regarde à l'intérieur de l'escalier. C'est un des plus beaux escaliers de France. Ça c'est pour que moi je pense pas à le roi. Pour en fait, je pense à ça. Ah d'accord. Allô. Ça c'est pour ma petite tante, elle ne va pas vous faire son assassin. Donc voilà, nous voilà dans la salle du roi. Avec les fleurs de lys. Cabinet, tout. C'est bien. La cheminée. Regarde la belle fille, c'est bien la jeune. Le chevalier. Avec son armure et son épée. La monnaie de, en fonction des années. Ça c'est des Louis XII, ça c'est des pièces de François Ier. Aïe, elle me tire les cheveux. Ouais, ça valait quelque chose quoi, c'était en or. C'est Charles IX. Henri II. François Ier, ouais, on connaît à peu près sa tête. Louis XII, on dirait Claude François. Si je trouve ça bizarre quand même, dans tous les châteaux qu'on a visités, les lits ils sont tout petits. Ils sont tout petits, il n'y a pas de salle de bain. Il n'y a même pas une salle de bain ou de douche. Et il y a non, il y a. Je sais pas comment ils se lavaient. Bon, c'est un mystère. Donc il a été roi pendant 40 ans. Pas mal, Sapio.
pianoforte. Voilà, il y a un petit spectacle de dragon, gros dragon. Par contre, il pleut, alors on a la caméra, c'est pas génial. Ah, ils ont ouvert les yeux, ça y est, ils sont plus rouges. Ah si. Oh là là, ah ouais, ça fait peur. Est-ce qu'ils vont cracher du feu, tu crois? Salut les internautes, comment? Salut les internautes, caca. Caca boudin. Caca boudin. En tout cas, cette cathédrale, elle est belle. Ouais. Wow, faut souffrir pour y arriver. Ça va? C'est pas trop dur les marches? Un peu. Un peu? Sur les épaules de papa, c'était dur. Marche pas, c'est vraiment pénible, pénible, pénible. Donc là, je crois que ça va être direction Tours. J'aimerais bien vérifier un truc, savoir si l'électricité arrive jusqu'à la pompe. Le problème, c'est que j'ai oublié mon multimètre à la maison. On va être obligé d'en acheter un. Bah, ça sera le multimètre du camping-car. Et puis, faire 2-3 vérifications. Je sais pas du tout d'où ça vient, donc on verra. On n'a pas de flotte, c'est un peu chiant. Voilà.